Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies du mois de mai 2021. Alors, c'est une vidéo qui va être assez longue dans la mesure où il y a déjà pas mal d'événements astrologiques qui se préparent pour ce mois de mai, et particulièrement parce que c'est un mois où, comme vous le savez, Jupiter va rentrer dans le signe des Poissons, et je vais proposer en fin de vidéo une interprétation pour ce Jupiter en Poissons en fonction des maisons dans lesquelles tombe ce Jupiter en Poissons pour vous. Donc, je vous propose de regarder sur votre carte où se trouvent les trois premiers degrés des poissons, dans quelle maison, et ça vous permettra d'écouter la bonne interprétation. Donc, il y a toute une partie de la vidéo où il faudra, sur la fin, hein, puisque je parlerai seulement à la fin de ce Jupiter en poissons, où ben, vous pourrez passer et écouter juste la position qui correspond à votre carte. Alors, pour trouver une position sur une carte, je mettrai dans la barre d'infos une vidéo que j'avais faite pour trouver un point sur une carte. C'est une espèce de tuto. Et si vous ne savez pas trouver ces trois premiers degrés des poissons sur votre carte, ça vous permettra de vous situer. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Si je me souviens bien, c'est un tuto qui permet de trouver où se trouve une nouvelle lune sur sa carte, mais c'est valable pour n'importe quel point qu'on cherche sur la carte. Donc, c'est d'expliquer comment trouver un point en fait sur votre carte personnelle. Donc, je commence par vous partager sans plus tarder cette carte du mois de mai parce qu'il y a tellement de choses que je veux vous dire ce mois-ci. Donc voilà, on a les positions planétaires pour le 1er mai 2021. Évidemment, les planètes vont bouger hein, au fil du mois. Alors, ce que l'on a d'important en fait, c'est qu'on commence le mois avec Mercure, Vénus et le Soleil, hein, sont les planètes qui nous intéressent particulièrement ici, dans le signe du Taureau. Donc, elles sont toujours dans le signe du Taureau. Et très rapidement, en début de mois, Mercure va entrer dans le signe des Gémeaux, hein, dans son domicile, dans l'un de ses domiciles. Donc, ce sera un passage important, d'autant plus qu'en fin de mois, Mercure rétrograde dans ce signe des Gémeaux. Donc, je vous en parlerai un petit peu et je vous en parlerai encore plus le mois prochain, puisque la rétrogradation démarre le 29 mai. Donc, soit je ferai une autre vidéo particulièrement sur ce Mercure rétrograde, c'est possible, ou alors j'en parlerai plus dans les énergies du mois de juin, mais je vous en dirai quand même quelques mots dès cette vidéo-ci. Surtout que Mercure va rejoindre le nœud nord ici, donc c'est quand même un moment important, et puis il sera à ce moment-là au trigone de Saturne, donc on va en parler. Très rapidement, Mercure en Gémeaux sera rejoint par Vénus, puis par le Soleil, hein, donc les trois planètes vont se retrouver très rapidement dans ce signe des Gémeaux ce mois-ci, donc on va passer d'une énergie très ancrée, très sécuritaire avec les planètes en Taureau et Mars en Cancer, à une énergie beaucoup plus vivante, beaucoup plus volatile, beaucoup plus ouverte, sociable, beaucoup plus dirigée vers les autres, la communication, les transports, les déplacements, le commerce, la communication. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et comme je vous disais, autre événement majeur, eh bien, ça va être l'entrée de Jupiter le 13 mai dans ce signe des Poissons, dans lequel il va rester jusqu'au mois de juillet. Donc, ce sera une première incursion, sachant qu'il reviendra dans ce signe du poisson en fin d'année, en décembre 2021, et il y restera jusque, je crois, au mois de mai 2022. Ensuite, il entrera en 2022, il fera une petite incursion en bélier, mais il retournera sur la fin des poissons en 2022, sur la fin de l'année, avant de rentrer définitivement dans le signe des béliers. Donc finalement, on a une espèce de Jupiter en poisson qui va être en pointillé à différents moments sur les 2 ans à venir. Donc c'est intéressant déjà d'essayer de comprendre comment il va pouvoir fonctionner dans nos vies. Et puis, autre événement majeur, on a Saturne qui va démarrer sa rétrogradation ce mois-ci. Vous voyez, il y a tout un tas d'événements astrologiques à couvrir. Donc ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors, je commence avec donc
la première partie du mois, hein, cette énergie toujours mixte des taureaux et de ce Mars, enfin des planètes en taureau et de ce Mars en cancer, qui est une énergie reliée en fait au sens, aux besoins de sécurité, à la sensualité, à une forme de douceur, une énergie qui cherche à construire, à défendre dans certains cas une stabilité. Ou des affaires matérielles, des affaires familiales. On est vraiment dans ces thématiques-là, très particulièrement encore en début de mois. Alors, avant de quitter le taureau, Mercure, Vénus et le Soleil vont toutes les trois former un trigone à Pluton en Capricorne. Alors, pour Mercure, c'est le 2 mai. Pour Vénus, c'est le 6 mai. Pour le Soleil, c'est plus tard, le 20 mai. Donc ici, on a une transformation concrète à plusieurs niveaux qui va s'opérer sur le plan de la communication, des relations et de l'affirmation de soi, une transformation positive qui cherche plus de sécurité, plus d'ancrage, donc un esprit extrêmement constructif dans la relation aux autres, dans la communication. On recommence finalement à construire, on recommence à se projeter en début de mois, à chercher à améliorer concrètement et même sur le plan matériel tout ce qui a été entrepris ou appris même les derniers mois, avec cette notion de réalisme, de perspicacité, de concentration des efforts sur un travail, sur des relations. On cherche à se relever des manches, on intègre l'ombre, ce que l'on a compris finalement, appris à travers des expériences des mois passés, et on est en train de recontacter ses besoins profonds. On recherche plus d'équilibre en général et plus de profondeur aussi dans la relation aux autres. Ça implique aussi plus de vérité avec soi-même. Donc, il va falloir être capable de regarder justement tout cela avec réalisme. Il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui peut s'approfondir, ou même dans la compréhension de l'autre et dans la compréhension de soi, de ses mécanismes, de ses fonctionnements. Et ça passe aussi par une forme de ressourcement, de retour à soi, de savoir comment on fonctionne, quels sont nos besoins, et puis sans oublier non plus que l'autre est là aussi, que l'autre existe. Donc, ça va être un aller-retour entre ses propres besoins et les besoins de l'autre. Et puis, l'idéal, évidemment, sera de trouver un équilibre entre tout ça. Alors, Vénus en taureau le 2 et le Soleil en taureau le 13 mai seront aussi au sextile de Neptune en poisson. Donc, c'est là où je suppose qu'il y aura, en plus d'une meilleure écoute de soi et de ses besoins, et d'un besoin de guérison hein, même au niveau relationnel et avec soi-même. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation qui se fait avec beaucoup de douceur, douceur avec soi et douceur avec l'autre, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de compréhension aussi. Donc, c'est intéressant et important d'être à l'écoute de ses besoins et de ceux des autres, puisque c'est ce qui permettra aussi d'avancer de manière constructive, d'aller vers une guérison, alors au sens propre comme au sens figuré. Il y a plus de créativité aussi sur cette partie-là du mois, de productivité sur le plan artistique. C'est une bonne période pour les soins, pour les médecines douces, pour l'inspiration. On commence à avoir une meilleure vision du lointain, peut-être plus ancrée. On retrouve une forme de foi aussi dans ce qu'on fait grâce à une vision du futur qui s'ouvre. Et on est beaucoup plus dans l'aide et dans l'entraide aussi durant cette période. Donc, avec ces aspects à Pluton, on a d'un côté la possibilité de regagner en pouvoir, en ancrage, en stabilité et en compréhension de soi. Et Donc, avec une meilleure compréhension de soi, mais sans égoïsme, puisque les aspects à Neptune aident aussi à se relier aux autres et à les écouter, à écouter aussi leurs besoins, parce que si on est capable d'être à l'écoute de soi, on est aussi ici capable d'être à l'écoute de l'autre, et donc de trouver cet équilibre dont je vous parlais. Alors, le 4 mai, on a Mercure qui entre en Gémeaux, dans lequel il va rétrograder en fin de mois. En fait, Mercure va rester dans le signe du Gémeaux jusqu'au 11 juillet, donc il est là pour un long moment. On en reparlera bien sûr le mois prochain plus en détail.
Donc, il ouvre la danse ici, hein, d'une nouvelle énergie. Il entre dans l'un de ses domiciles. On va aller vers plus de mouvement, d'ouverture, de déplacement, de communication, d'apprentissage, d'échange, de sortie. Hein. Mercure, dans ce signe des Gémeaux, a besoin de se sociabiliser, de se connecter aux autres, de tisser des liens avec les autres, notamment avec son environnement proche. Donc, ça veut dire aussi peut-être plus de petits déplacements. Même si on programme des vacances, on va peut-être chercher à programmer des vacances pas très loin de chez nous, ou on va peut-être rester dans un certain environnement proche et être plus connecté aussi autour de soi, peut-être dans des lieux culturels. Hein, le signe des Gémeaux est lié aussi à la culture, à la curiosité, aux sorties, les endroits où on se réunit, hein, les terrasses, les cafés, etc. Donc, on verra tout ça avec les annonces gouvernementales, bien sûr. Et comme on est sur ce Mercure en Gémeaux jusqu'au 11 juillet, donc il faut voir ce qui se passe entre le moment où il entre et le moment où il en sort, évidemment. Alors, le 9 mai, c'est Vénus qui rejoint Mercure dans ce signe des Gémeaux. Et là, elle va y rester, elle, jusqu'au 2 juin. Donc, Vénus qui rentre dans le signe des Gémeaux, ça veut dire qu'elle est dans un signe mercurien. Donc, ça va être une Vénus mercurienne, donc qui est maîtrisée par Mercure. Et comme Mercure est en Gémeaux, bon, on est doublement dans le Gémeaux ici avec cette Vénus. Donc, on passe vraiment à une énergie très aérienne, très communicative. Vénus va représenter notre relation aux autres, hein, la manière dont on se lie aux autres. Et donc ici, on est très tourné vers les autres, vers sa fratrie, son voisinage, dans un environnement proche, comme je vous le disais. Il y a une ouverture, une sociabilité, une envie d'apprendre, de transmettre, un goût pour la transmission et pour l'apprentissage aussi. Vous vous rappelez sans doute qu'en 2020, Vénus avait rétrogradé dans ce signe des Gémeaux. Donc, on se souvient encore de son énergie. Elle était restée quelques mois dans ce signe l'année dernière. Donc, ça va être un moment intéressant pour, par exemple, collaborer avec d'autres personnes sur le plan intellectuel, sur le plan des Gémeaux, hein, sur le plan intellectuel, ou pour partir, Vénus, ça peut être le duo, on va partir en voyage, en amoureux, on va faire des week-ends en amoureux, on peut éventuellement aussi retrouver sa fratrie ou envisager de collaborer avec sa fratrie sur certains plans. Une bonne période aussi pour tout ce qui va représenter la communication finalement avec des personnes qui nous sont chères ou des travaux intellectuels éventuellement en collaboration avec d'autres personnes. Cette Vénus en Gémeaux, elle aime jouer, elle aime discuter, elle aime se relier aux autres, elle aime faire avec les autres aussi, elle aime coopérer, collaborer, donc Il y a vraiment beaucoup d'effervescence, de pétillement avec cette Vénus en Gémeaux. Le goût de découvrir aussi, d'apprendre. Alors, évidemment, comme toute position a ses travers, attention avec une Vénus en Gémeaux, toujours à la question de la fidélité sur le plan affectif. Non que Vénus en Gémeaux soit absolument une Vénus infidèle, mais parfois, on peut être amené à jouer sur deux tableaux, d'autant plus que Mercure va rétrograder et qu'il peut y avoir dans la vie de certaines personnes qui seront plus touchées par ce transit, par exemple, un retour de certaines personnes du passé qui peut faire que vous êtes dans une ambivalence, pas forcément au niveau amoureux, c'est pas forcément un triangle amoureux, bien que pour certains, ça va se vivre de cette manière-là, mais parfois ça va être aussi un retour peut-être vers des personnes que vous aviez perdu de vue, peut-être avec tous ces confinements, ces impossibilités de se déplacer, il y a peut-être un retour de certaines personnes, même des amis du passé, et du coup, eh bien, peut-être plus d'instabilité dans la vie amoureuse parce que vous êtes pris entre deux feux, entre le retour des amis et la vie amoureuse, le cocon amoureux. Il y a peut-être aussi la possibilité pour certains de se déplacer vers des lieux du passé,
et de retrouver donc des personnes. Il peut y avoir aussi des personnes sur le plan affectif qui reviennent dans votre vie alors que vous êtes avec quelqu'un d'autre maintenant. Et donc, ce n'est pas forcément parce que vous allez retrouver des ex que vous allez reprendre une relation avec ces ex, mais disons que parfois, ça peut un petit peu peut-être perturber un équilibre que vous aviez trouvé dans une relation amoureuse. Donc là, c'est peut-être l'endroit où il faudra rester vigilant, mais bon, ce n'est pas forcément du tout négatif. Alors, je pense que ce type de scénario va vraiment se jouer à partir de la fin du mois, à partir du 29 mai, quand Mercure va devenir rétrograde. En attendant, Vénus en Gémeaux va plutôt jouer sur les aspects que je viens de vous indiquer. Il y a un plus grand risque de dispersion aussi sur le plan intellectuel. On a tendance à dire oui à tout, à s'engager dans toutes les directions, à accepter toutes les sorties aussi, et du coup, à être un peu plus dans la superficialité. Mais on a peut-être besoin à ce moment-là aussi de cette légèreté dans la communication, dans les relations. On peut aussi démarrer des relations amoureuses ici. Plus légères, dans lesquelles on a des affinités, des goûts communs sur le plan intellectuel, par exemple. C'est aussi une bonne période si vous devez vous adresser à un public, passer des oraux, par exemple. Vénus et Mercure, le combo Vénus-Mercure dans le signe des Gémeaux, c'est une très bonne position quand on doit s'adresser à un public, quand on doit communiquer avec un public ou quand on doit s'adresser à un groupe de personnes, ou si vous avez des vidéos, vous faites des vidéos sur YouTube pour communiquer avec un grand nombre ou pour passer des oraux, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, si vous avez des examens à passer, vous en êtes à la phase d'oral, c'est une très bonne position aussi pour écrire aussi. Donc, on peut communiquer de différentes manières, bien évidemment, pas forcément à l'oral, on peut communiquer à l'écrit. Ou alors, particulièrement à partir du moment où Mercure va devenir rétrograde, pour revenir sur quelque chose que vous avez déjà démarré. Alors, ça peut être pour corriger, par exemple, des épreuves littéraires. Si vous avez écrit un livre et que vous attendiez des nouvelles de l'éditeur, vous pouvez avoir des retours d'un éditeur, vous pouvez avoir les épreuves qui vous reviennent et donc il va falloir les corriger. Ou vous allez profiter de ce temps-là pour corriger une conférence que vous devez donner ou pour améliorer justement votre savoir par rapport à un oral que vous devez passer, pour améliorer aussi les gains sur le plan commercial. C'est vrai que Vénus et Mercure ensemble dans ce signe des Gémeaux vont profiter au commerce. Il y aura certainement plus d'achats durant cette période, donc on imagine en tout cas au minimum l'ouverture des magasins. Mais le travers, ça va être aussi d'avoir une attitude plus consumériste et donc peut-être un peu plus superficielle. Et aussi, je pense, plus de consommation de tout ce qui est culturel pendant cette période. Alors, le 11 mai, je vais passer assez vite, il s'agira de la nouvelle lune en taureau que je vais étayer davantage dans les vidéos que je vous fais sur les nouvelles et les pleines lunes. Ici, on sera donc le 11 mai encore quand même dans une énergie en taureau avec une nouvelle lune au trigone de Pluton, au sextile de Neptune. Donc, ça reprend un peu les énergies de début de mois dont je vous ai parlé et qui sera aussi au carré de Jupiter. Donc, qui va d'un côté renforcer l'ancrage, le besoin d'un renouvellement dans les engagements. Il y a une énergie très sensuelle aussi qui donne le goût de faire attention à soi, de prendre soin de son hygiène de vie, goût de la transmission, de l'entraide, de la guérison aussi, mais qui passe par le fait d'affronter des réalités, des vérités, en étant peut-être plus relié à soi, à ses besoins, comme je vous l'indiquais au début. Il y a quand même une recherche d'une vérité personnelle ici, un besoin de sécurité. Donc, c'est peut-être qu'à la base, il y a une forme d'insécurité sur certains points et que vous cherchez à retrouver cette sécurité qui a peut-être été vacillante ou qui l'est peut-être encore en ce moment. Donc, ça va être intéressant sur cette nouvelle lune de se reconcentrer parce qu'on a l'énergie des Gémeaux qui a démarré et donc on est dans cette forme d'éparpillement d'une certaine manière. Attention aussi à tout l'aspect matériel, mais il peut y avoir plus de dépenses où il y a
peut-être des questions officielles sur le plan matériel à régler, notamment autour de tout ce qui concerne les biens immobiliers, par exemple. Mais on en reparlera plus précisément quand j'enregistrerai la vidéo de la nouvelle lune en taureau. Alors, le 12 mai, on a Mercure qui rejoint le nœud nord dans le signe des Gémeaux, au trigone de Saturne. C'est un aspect qu'on a d'ailleurs dans la nouvelle lune la veille, hein, la nouvelle lune en taureau. Donc, il y a certainement une décision importante à prendre et une réflexion très constructive dans tous les cas. Le nœud nord ici est dans le signe des Gémeaux, donc il est régi par Mercure, puisqu'on est en Gémeaux. Et on peut être dans une période où on cherche à avoir une forme de... comment dire, d'assises sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, on doit faire peut-être ses preuves sur le plan intellectuel. Donc, pour certains, il va s'agir d'acquérir des compétences peut-être très techniques, un savoir-faire pratique. Peut-être, il y a l'idée de communiquer avec d'autres personnes sur un plan assez sérieux ou sur des questions peut-être traditionnelles, de transmettre quelque chose de solide et de faire preuve d'autorité sur le plan intellectuel, particulièrement évidemment si vous êtes touché par ces aspects-là. Ça peut être un bon moment pour signer un contrat commercial, pour rechercher ou trouver un logement, pour signer un bail, pour planifier peut-être aussi un déménagement, donc pour s'occuper de chercher peut-être un lieu de vie. Il peut y avoir aussi le fait de développer des compétences beaucoup plus techniques ici. Alors, soit que vous allez être amené à les transmettre, ces compétences techniques, soit que vous allez recevoir cette transmission de quelqu'un. Cet aspect est renforcé ce même jour, hein, le 12 mai, par un sextile de Mars en Cancer à Uranus, en taureau. Donc, il peut y avoir une décision là autour de ce 12 mai qui va vous libérer, une communication qui va vous libérer, une action qui va vous libérer. Il y a l'idée d'oser quand même, de se lancer, de prendre un risque, peut-être d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec les autres, agir ensemble. Mais il y a de nouvelles initiatives ici qui redonnent qui donnent un regain d'énergie autour d'une décision qui rafraîchit un peu votre vie, qui vous sort d'une forme de quotidien ou d'une action un peu innovante qui vous allège en fait de certains conditionnements. Il y a une espèce de spontanéité qui pourrait être payante et qui vous permet de communiquer, comme je disais, sur un plan sérieux ou de prendre une décision sérieuse, importante. Alors, le 13 mai, on a donc Jupiter qui entre dans le signe des poissons. Donc, j'en parle en dernière partie de vidéo, donc je ne m'arrête pas là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Le 20 mai, on a le soleil qui entre dans le signe des Gémeaux. Donc, joyeux anniversaire aux Gémeaux. Et évidemment, on poursuit hein, dans cette énergie pétillante de communication, de transport, de reliance aux autres, de commerce qui reprend, de déplacements qui reprennent, de curiosité, de besoin de légèreté, de connexion en fait. Hein. Il y a toutes sortes de connexions qui vont se dérouler à partir de là. Et puis, le 23 mai, on a Saturne qui démarre sa rétrogradation en Verseau, sa rétrogradation qui va durer jusqu'au 11 octobre. Donc, on va avoir le temps de tirer parti des leçons de Saturne. Alors, vous vous rappelez peut-être que le cycle Jupiter-Saturne en Verseau a démarré sur la fin du mois de décembre 2020. Et donc, on a eu ensuite un premier carré entre Saturne et Uranus et un carré qui va commencer à se reformer. Il aura lieu au mois de juillet, le deuxième carré entre Saturne et Uranus. Mais à partir du moment où Saturne rétrograde, eh bien, il se rapproche petit à petit pour reformer ce carré à Uranus. Donc ici, Saturne qui rétrograde nous amène à un retour en quelque sorte sur l'expérience qu'on a pu mener depuis fin décembre. Donc à partir de ce mois de mai, il y a certainement quelque chose que vous avez démarré dans un domaine de votre vie autour de fin décembre, début janvier. Et ici, il s'agit d'avoir un retour sur cette expérience,
de réfléchir aux engagements que vous avez pris, de voir ce que cette expérience vous a apporté. Donc, c'est un retour, un bilan d'une certaine manière sur ce que vous avez démarré lors de ce nouveau cycle Saturne-Jupiter fin décembre, début janvier, et peut-être de prendre du recul par rapport à cette expérience pour estimer, ben, est-ce qu'elle est satisfaisante, cette expérience? Est-ce que vous êtes complètement comblé? Est-ce que vous êtes complètement épanoui dans ce que vous avez démarré? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche d'aller résolument de l'avant? Qu'est-ce qui est encore source de frustration par rapport à ce que vous avez cherché à démarrer? Qu'est-ce qui vous retient encore en arrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore complètement réglé avec le passé ou à travers la question de l'engagement? Sur quoi vous allez devoir revenir et réfléchir pour vous libérer? Le but, c'est quand même d'aller vers une forme de libération et d'épanouissement d'ici la fin de ce cycle, hein, donc d'ici la fin de l'année et début 2022. Donc, comprendre ici ce qui vous limite, ce qui peut vous frustrer encore, quelle problématique vous avez encore à résoudre, et vous allez pouvoir y réfléchir sérieusement dans les mois à venir, donc jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la fin de cette rétrogradation, et bien sûr de commencer à poser des actions dans ce sens dans le sens de cette libération. Mais là, puisque dans ce deuxième carré qui aura lieu en juillet entre Saturne et Uranus, c'est Saturne qui sera rétrograde, dans l'immédiat, je dirais que la rétrogradation, elle va surtout nous amener à voir ce qui, dans notre passé, n'a pas encore été d'une certaine manière nettoyé ou nous retient encore en arrière et qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Donc, c'est surtout sur cette partie-là qu'on va réfléchir pour l'instant. Donc, peut-être que pendant cette période de rétrogradation jusqu'au mois d'octobre, vous allez vous distancier. Alors, ça peut être géographiquement, ça peut être sur le plan émotionnel ou ça peut être sur le plan de prendre un petit peu de recul, vous allez peut-être vous distancier de certaines personnes ou de certaines situations qui peuvent être à l'origine de ces frustrations ou de ces difficultés, de manière à pouvoir régler ce qui, dans votre passé, est encore source de blocage ou tout ce qui pourrait empêcher en fait un engagement total dans une nouvelle voie. Donc voilà comment vous pourrez travailler en fait sur cette énergie-là. Alors, le 26 mai, on a, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a aussi ce mois-ci la saison des éclipses qui démarre. Donc, le 26 mai, on a la pleine lune en Sagittaire qui sera donc la première des éclipses. Donc là, c'est pareil, j'en parlerai davantage sur la vidéo qui va concerner cette pleine lune en Sagittaire. Là, je vous donne comme ça quelques mots-clés, mais ensuite, évidemment, on développera ça plus posément sur la vidéo qui sera consacrée à cette pleine lune. Une pleine lune en Sagittaire, donc une éclipse lunaire qui sera carrée à son maître, Jupiter. Donc, qui peut, en termes sur le plan des situations qui peuvent être liées à cette éclipse, si vous êtes touché par cette éclipse, qui peut représenter le fait de quitter un lieu de vie, une région, un logement, vous apprêtez peut-être. Alors, je rappelle que les éclipses ont une valeur entre 3 et 6 mois, hein, ça a une durée de vie un peu plus longue qu'une nouvelle ou une pleine lune normale. Donc, dans les 3 à 6 mois à venir, il est peut-être question justement de quitter un lieu de vie. Donc, aussi, il y a aussi là un retour vers le passé et l'idée encore de se détacher de quelque chose, d'une région, d'un lieu de vie, d'un logement, peut-être d'une femme qui peut être d'origine étrangère. Ça peut être le départ d'une femme avec qui vous entretenez une relation. Alors, quand je dis départ, ce n'est pas forcément une rupture, hein, ça peut être son départ de manière momentanée, hein. Peut-être que cette personne s'apprête à partir en voyage, s'apprête à déménager. Pour certains, peut-être qu'il y a un renoncement à un voyage à l'étranger, vous allez plus vous concentrer sur des voyages, vous alliez peut-être prévu de partir à l'étranger, puis la situation ne vous semble pas complètement satisfaisante et vous préférez annuler et faire un voyage, par exemple,
en France, ou en tout cas, tout dépend où vous êtes quand vous écoutez la vidéo, mais plus proche de chez vous finalement, ou sur une plus courte durée. Ça peut être le fait vous arrivez peut-être à la fin d'une formation, à la fin de vos études sur cette période-là, d'études supérieures, et vous allez vous apprêter peut-être à faire un stage pour conclure des années d'études, pour mettre en pratique un savoir intellectuel, conceptuel. Et là, il y a l'idée peut-être de mettre en pratique ce savoir-là. Pour certains, ça peut être le fait de retourner dans un pays ou dans une ville où vous avez déjà été dans le futur et vous allez peut-être passer des vacances, donc de retrouver dans les 3 à 6 mois à venir un lieu que vous connaissez, dans lequel vous avez peut-être déjà vécu ou dans lequel vous avez peut-être des origines. Ça peut être l'idée aussi de vous apprêter à quitter une équipe ou d'arriver par exemple à la fin d'un procès qui touchait la famille, peut-être à la fin d'une grossesse pour certains. Pour certains, ça va plus se jouer sur le fait de chercher à quitter une forme de dépendance émotionnelle à la famille ou à une personne. Il peut y avoir un retour à l'enfance, ça peut être une éclipse qui met en évidence des problèmes familiaux aussi, ou encore le fait de revoir une femme ou sa mère, par exemple, si on ne l'avait pas vue depuis longtemps, il y a eu une longue absence, eh bien, on va retrouver cette personne. Ou au contraire, comme je vous disais, ça peut être cette personne qui s'en va, qui change de lieu, de ville. Alors attention à tout ce qui concerne les problèmes d'estomac, de digestion, à son corps en général lors de cette éclipse. Alors on termine ce tour d'horizon avant de passer à la position dans votre thème de Jupiter en Poissons avec le 29 mai, donc Mercure qui démarre, comme je vous disais, sa rétrogradation, rétrogradation qui aura lieu jusqu'au 21 juin. Donc on en reparlera bien sûr le mois prochain. Donc là, évidemment, comme pendant toutes les périodes de Mercure rétrograde, on peut avoir des retards. Alors particulièrement c'est évidemment les natifs des Gémeaux qui vont être le plus touchés hein, par cette rétrogradation de Mercure qui a lieu dans leur thème, donc ici, dans leur signe, pardon. Donc ici, il peut y avoir des retards dans la communication, des retards par rapport à des nouvelles que vous attendez, des retards dans les déplacements, des annulations, des changements. Hein, on ne va pas la faire à chaque fois pour Mercure rétrograde, mais là, particulièrement quand on est dans le signe des Gémeaux avec un Mercure rétrograde, si vous voulez, toute la symbolique d'un Mercure rétrograde est amplifiée puisqu'il est vraiment dans son domicile. Donc, ça veut dire les voyages. Les déplacements, la communication, les nouvelles, les signatures, tout ça, évidemment, attention, soyez vigilants si vous faites des réservations, vérifiez que vous pouvez bien annuler, vérifiez lisez bien tous les documents que vous signez, évitez autant que possible pendant la période de rétrogradation de signer un document qui vous engage sur le long terme. En revanche, ça peut être un moment où on va revenir sur quelque chose qui a déjà été entrepris. Donc, on peut, si vous avez par exemple passé des examens, vous avez passé des écrits, bon, bah, pendant la période de rétrogradation, ça peut être le moment où on passe les oraux, donc on revient sur quelque chose qu'on avait déjà entrepris. Ou comme je vous le disais tout à l'heure, si vous aviez écrit un document, préparer une communication quelconque, bon, ben, vous pourriez être amené à la corriger pendant cette période-là. Alors là où ça va être plus compliqué, alors, vous pouvez aussi revenir sur des lieux du passé. Vous pourriez, alors, si vous apprêtez à bouger, que ce soit en voyage ou à déménager dans des lieux qui sont reliés au passé, finalement, pas de problème, ça correspond tout à fait. En revanche, si vous avez dans l'idée d'aller vous installer dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, un nouveau pays, peut-être mieux vaut éviter la période de rétrogradation. C'est aussi une période où, comme d'habitude, il peut y avoir plus de pannes dans les transports, plus de problèmes de transport, d'annulation, de billets, etc. C'est une période où on peut en profiter pour réévaluer des choix que l'on a faits. Pour y réfléchir, hein, ça va bien avec le Saturne qui est en train de rétrograder aussi.
Ça peut être une période où il peut y avoir des problèmes parfois de compréhension, des quiproquos, surtout quand vous communiquez comme ça avec l'entourage ou que vous adressez à un grand nombre, soyez attentif aux mots que vous utilisez à bien comprendre ce que l'autre vous dit. De la même manière, quand vous avez des documents à signer, à bien les lire, évidemment. Ça peut être une période où vous retrouvez, par exemple, votre fratrie si vous ne l'aviez pas vue depuis un moment, où vous revenez, vous devez retravailler ou régler des documents éventuellement avec votre fratrie. Ça peut être une période où vous allez avoir des clients du passé, par exemple, si vous êtes dans une activité commerciale, qui reviennent vous voir. Ça peut être aussi une période où il peut y avoir plus de problèmes. Par exemple, si vous commandez quelque chose sur Internet, ça va être le facteur qui se trompe d'adresse ou vous qui n'avez pas bien rempli votre adresse au moment de la commande, ou il peut y avoir un temps de retard pour X raisons par rapport à quelque chose que vous attendez, que vous avez commandé. Les pensées sont souvent un peu plus instables, particulièrement dans ce signe des Gémeaux, plus fluctuantes, mais aussi plus intériorisées. Il peut y avoir des périodes de nostalgie, des périodes… ça peut être aussi ce Mercure qui est rétrograde, une période où on va intérioriser quelque chose pour pouvoir ensuite l'exprimer. Donc, ça peut être quelque chose que l'on a gardé depuis longtemps en soi, qu'on cherchait à exprimer et qu'on va pouvoir enfin exprimer durant cette période. Mais bon, je vous reparlerai tout ça le mois prochain ou, comme je vous disais, peut-être dans une vidéo à part entière sur cette rétrogradation de Mercure. Et donc là, je vais passer à Jupiter en Poissons. Donc, j'espère que vous avez regardé entre-temps. Pardon, je n'ai plus de voix aujourd'hui. Regardez entre-temps dans quelle maison se trouvait ces trois premiers degrés des poissons. Comme ça, vous allez pouvoir écouter la partie qui vous correspond. Alors d'abord, quelques généralités sur ce Jupiter qui rentre dans le signe du poisson. Jupiter, comme vous le savez, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Ça fait 2 ans qu'il est dans les domiciles de Saturne. En 2020, il était en Capricorne. Et puis là, depuis fin 2020, il est dans le signe des Verseaux qui est maîtrisé aussi, entre autres, par Saturne. Donc, ça fait 2 ans qu'il n'est pas vraiment dans une position où il peut exprimer tout son côté bénéfique et amplifié, et qui subit donc quelques restrictions. Et là, il se retrouve donc dans l'un de ses domiciles, le poisson, les poissons qui sont un signe d'eau et un signe mutable, et il va pouvoir apporter ses trésors dans ce signe, puisqu'il est dans l'un de ses domiciles, son domicile nocturne. Donc Jupiter dans le signe du poisson va y rester entre le 13 mai et le 28 juillet pour commencer 2021. Avant d'y replonger en fin d'année le 29 décembre 2021 jusqu'au 10 mai 2022. Alors là, bien sûr, entre le 13 mai 2021 et le 28 juillet 2021, il va surtout toucher les poissons qui sont nés au tout début du signe, donc sur les 3 premiers degrés, ou si vous avez n'importe quelle planète sur ces 3 premiers degrés. Et quoi qu'il en soit, même si vous n'avez rien dans cette position, vous avez ces 3 premiers degrés quelque part dans votre thème, donc regardez où ça se trouve. Et ensuite, donc, il retournera dans le signe du Verseau à partir du 28 juillet. Et en fin d'année, il va rentrer à nouveau dans le signe des poissons qui va traverser à partir du 29 décembre 2021 jusqu'au 10 mai 2022. Donc là, il va traverser tout le signe du poisson, donc tout le monde sera touché, enfin tous les poissons du moins vont pouvoir bénéficier de cette énergie de Jupiter. Puis il rentrera dans le signe du bélier et il reviendra sur la toute fin du poisson, les 3 derniers degrés des poissons cette fois-ci, entre le 28 octobre 2022 et le 20 décembre 2022. Et à partir de là, il rentrera en bélier et donc ce sera une autre histoire. Donc, c'est un transit qui est assez long, mais qui est très morcelé, vous voyez. Alors, dans cette première incursion, je vous l'ai dit, c'est les 3 premiers degrés des poissons qui sont touchés, donc le tout début du premier décan.
Et comme d'habitude, eh bien, le grand bénéfacteur du zodiaque peut multiplier les bonnes choses comme les ennuis. Donc, on va voir un petit peu quelles thématiques vont être révélées par ce Jupiter en Poissons. Alors déjà, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et voir comment il s'est comporté dans ce signe la dernière fois qu'il était dans le signe des Poissons. Ça peut être intéressant de voir il y a 12 ans, en 2010, hein, entre fin janvier 2010 et début juin 2010 déjà, pour la première incursion qu'il avait faite dans le signe des Poissons, comment il s'est comporté pour vous. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il a amélioré dans votre vie? Ou au contraire, quelle manière il a posé problème? Que finalement, c'est propre à chacun en fonction des aspects, évidemment, qu'il va former à votre thème. Et ça, c'est propre à chacun et on ne peut pas en faire une généralité. Alors, les effets positifs de ce Jupiter en Poissons, c'est une position qui est bonne pour tout ce qui va concerner les activités de soins, pour la psychologie, pour tout ce qui concerne les groupes aussi, hein, le travail en groupe, les groupes créatifs, les groupes religieux, les groupes mystiques, spirituels, toutes sortes de groupes comme ça dans ces domaines-là sont bénéficiés par Jupiter en Poissons ou pour apprendre ou transmettre dans ces domaines-là. C'est aussi une position qui est extrêmement intéressante pour la créativité, surtout concernant l'art de l'image ou la musique. Pour les croisières aussi, pour les voyages ou les déménagements sur les îles ou au bord de l'eau, dans les lieux, les villes côtières, c'est une bonne position qui va bénéficier aussi au débit de boissons, donc on pense au café qui devrait voir une amélioration. Pour tous ceux qui travaillent aussi dans des activités comme médium par exemple, hein, tout ce qui est en contact avec l'invisible, les chamans, les soins énergétiques, une bonne position aussi pour revenir à ses idéaux, pour retrouver la foi dans le futur, dans des idéaux. Pour les activités telles que la méditation, le yoga, la nature, tout ce qui concerne l'environnement aussi, pour les guérisons, pour la fécondité, hein, pour ceux qui veulent avoir un enfant, Jupiter en Poissons, c'est vraiment beaucoup de fécondité, alors à tous les niveaux, pas seulement au niveau de la grossesse, hein, mais fécondité créative, fécondité en général, pour l'empathie, pour l'entraide, pour les œuvres philanthropiques, pour les études en médecine, je vous l'ai dit, pour tout ce qui concerne aussi les activités d'import-export à l'international qui peuvent commencer peut-être à reprendre, pour tous ceux qui travaillent dans les services aussi hospitaliers ou les lieux clos, tous ceux qui font des retraites, des séminaires, ont besoin aussi parfois de se mettre en retrait pour, par exemple, développer une thèse, un mémoire, un livre, etc. Ça peut aussi bénéficier à tout ce qui est laboratoire et mettre en avant aussi, bon, évidemment, toutes les questions autour de la médecine, des vaccins et tout ça. Bon, ça fait quand même 2 ans qu'on en entend parler. Et là, bon, ça risque de s'amplifier, donc c'est pas toujours positif, tout dépend un petit peu comment ça va être fait, tout ça. Et puis, comme on est quand même dans un signe des Poissons qui est sans frontières, évidemment, pour ceux qui vont s'enrichir ici, ça peut être l'idée de s'enrichir sans limite aussi, hein. Et puis, pour d'autres, bon, le signe des Poissons, c'est aussi lié parfois à tout ce qui est social. Donc, on peut aussi travailler, ça peut aussi être une position qui améliore le travail, le travail des travailleurs sociaux ou le fait de s'engager dans des associations. Mais ça peut être aussi parfois le fait de perdre son emploi et de devoir dépendre des services sociaux aussi d'une certaine manière ou de l'argent, du chômage par exemple. Donc, il faudra voir aussi si on ne va pas se retrouver, si on est par exemple sur une période de crise financière, sur ce genre de problématiques aussi, hein, de chômage un peu plus généralisé. Ça peut être aussi l'idée de peuple qui se déplace, d'exode, hein, d'une certaine manière.
Donc, plus négatif, peut-être des exodes, des déplacements de population, des problèmes climatiques, donc la vaccination généralisée, le passeport sanitaire, etc. Ça peut être aussi des actes de foi démonstratifs, exagérés, un peu fanatiques. On peut imaginer qu'on repart là sur, on réagite les pantins du radicalisme. Il faut voir s'il n'y a pas anguille sur roche là derrière et cette volonté de faire alterner entre des situations sanitaires et des problématiques d'état d'urgence sanitaire et d'état d'urgence de la sécurité, vous voyez, comme on est finalement depuis 2015 hein, entre ces états d'urgence qui se succèdent. Il faudra faire attention à tout ce qui est sacrifice en général dans notre vie, une tendance au sacrifice, au martyr, parfois à la fuite du réel, alors à travers des substances, des drogues, etc., où la fuite du réel, ça peut être aussi une fuite à le départ pour d'autres lieux. Il peut y avoir des problèmes de dépendance aussi qui font jour, des procès peut-être dans certains cas qui peuvent être faits au labo ou à tout ce qui concerne la médecine. Et puis ce problème de chômage, d'aide sociale en os, je pense qu'on va commencer à entendre parler du revenu universel, surtout qu'on va avoir un Jupiter qui va alterner entre les poissons et le Verseau. Donc, à mon avis, cette question du revenu universel va faire partie aussi des thématiques qui s'invitent à la table d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est un petit peu pour les généralités. Donc, j'espère que j'ai encore assez de voix pour traiter maintenant les 12 maisons. Alors, je vais commencer avec le 6 Jupiter, ces trois premiers degrés des poissons, donc se trouvent dans votre maison 1, et donc Jupiter entre dans ce signe des poissons, là, dans cette maison 1, même s'il y est déjà, mais qui rentre dans ce signe des poissons. Alors, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, on peut s'attendre à un gain de poids, hein, parce que la maison 1, c'est le corps. Et donc, Jupiter a tendance à aller vers une forme d'expansion. Donc, parfois, ben, c'est le corps qui grossit, qui enfle. Hein, donc, il peut y avoir des questions même médicales à régler avec son corps. Et puis, parfois, on va grossir parce qu'on est enceinte dans cette maison 1. Hein, donc, il y a le corps qui prend du volume. On peut être confronté donc, à des problèmes de dépendance. Donc, il va falloir surveiller bien sûr sa santé ici. On peut aussi retrouver foi et être porté dans son action grâce à une reconnexion à soi aussi. On a envie certainement, parce que finalement vous démarrez un nouveau cycle hein, si Jupiter passe dans votre maison 1, donc il y a une envie d'élargir son horizon, l'envie de s'intégrer peut-être dans un nouveau lieu, un nouvel emploi, une nouvelle formation. Certains auront peut-être des questions juridiques à régler. Alors, ça peut être avec des personnels de santé, avec des hôpitaux, avec les thématiques que je vous ai citées. On peut chercher à être reconnu, à modifier son image et à chercher à être reconnu aussi et même avoir la capacité d'être reconnu hein, dans ce que l'on fait ici. Donc, pour ça, ben, on peut travailler sur l'image de soi. Il y a de toute façon une plus grande confiance qui arrive hein, quand Jupiter entre dans votre maison 1. Ça peut être une position qui va vous faire rechercher de toute façon une forme d'expansion. Vous pourriez travailler avec des entreprises étrangères. Vous pourriez chercher à améliorer la manière de vous présenter aux autres, comme je vous disais, ou chercher à vous engager différemment, autrement, faire plus d'efforts d'une certaine manière parce que vous êtes porté par la foi, donc vous êtes capable d'aller loin finalement dans vos engagements et dans votre volonté d'élargir les horizons. Donc ça sera un bon moment pour réfléchir à ce que vous pouvez améliorer dans tous ces domaines-là, surtout pendant le premier passage puisque Jupiter reviendra, donc ça peut être déjà le premier passage un moment pour prendre conscience de tout ça. Il peut y avoir aussi un changement d'environnement, un progrès dans votre carrière. Vous pourriez être amené à utiliser vos talents autrement, avoir envie de réaliser vos rêves, de suivre des cours, d'apprendre de quelque chose de nouveau. Mais pour cela, peut-être d'abord de mettre fin à quelque chose
que vous aviez démarré pour démarrer justement sur un nouveau rêve, une nouvelle vocation. Donc, il y a peut-être des chapitres aussi à clôturer avant de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a l'envie aussi de se sentir plus libre ou de chercher à l'être. En tout cas, vous êtes capable d'embrasser davantage une vision du futur. Alors, parfois, il peut y avoir un peu de confusion parce que, bon, j'en reparlerai, je ferai une vidéo sur Jupiter en poisson très certainement d'ici la fin de l'année. On a Neptune aussi dans ce signe des poissons, donc il faudra quand même voir est-ce que finalement ces rêves que j'ai envie de mettre en place, ce futur, est-ce que c'est une vision qui est portée simplement par la foi ou est-ce qu'il y a quand même du réalisme? Est-ce que je ne suis pas dans une forme de confusion aussi? Excusez-moi. Alors, attention avec Jupiter en maison 1 à ne pas être trop centré sur vous-même parfois ou à faire preuve de trop d'indulgence avec vous-même. Ça peut être aussi l'envie de porter secours aux autres, aux faibles, aux animaux, aux personnes dans le besoin, hein, pourquoi pas. Alors, si Jupiter transite dans votre maison 2, donc là, il s'agit peut-être de réfléchir à comment vous gagnez votre vie et à essayer là aussi d'élargir peut-être vos finances, vos rentrées d'argent en cherchant donc à améliorer votre, alors ça peut être votre commerce, peut-être en modifiant le prix de vos prestations. Alors, dans certains cas, c'est vrai que Jupiter en maison 2 peut apporter beaucoup d'argent, mais il peut aussi, donc une abondance hein, finalement, parfois sans limite. Mais attention parce que en revanche, je ne trouve plus mes mots, mais ce n'est pas grave. Donc, en revanche, il peut aussi vous faire perdre beaucoup d'argent. Dans certains cas, vous allez démarrer peut-être une activité ou alors vous allez voir une activité existante prendre de l'essor et donc améliorer largement vos revenus et voir même beaucoup d'argent rentrer. Et puis, dans d'autres cas, au contraire, vous pourriez perdre de l'argent, alors soit en dépenser plus qu'il n'en rentre, soit vous pourriez vous retrouver dans des situations justement où vous êtes dans une perte d'emploi, où vous vous retrouvez au chômage et vous devenez dépendant finalement d'une aide sociale, par exemple. Alors, si vous avez besoin de faire appel à une aide sociale, Jupiter en maison 2 va vous y aider. Ça peut être aussi, durant cette période, une amélioration de votre clientèle qui vous permet d'améliorer vos revenus. Ça peut être aussi des dépenses que vous faites plus larges pour les voyages. Vous pouvez gagner votre vie par les soins, l'enseignement, la spiritualité, enfin tous les domaines que j'ai cités en parlant de Jupiter de manière générale. Hein. Je ne vais pas tous les reprendre. Vous pourriez être amené aussi à aider quelqu'un sur le plan matériel. Ou alors, ça ne va pas jouer seulement sur le plan matériel, puisque la maison 2, c'est aussi comment on utilise ses compétences et les valeurs qui sont importantes à nos yeux. Ça peut être un moment pour se revaloriser, pour réfléchir à comment se revaloriser. Peut-être à investir dans des projets à long terme aussi, ou trouver les moyens d'améliorer sa vie matérielle, comme je vous disais, en vous revalorisant. Alors, on peut se revaloriser de différentes manières, en suivant, peut-être en améliorant ses compétences. Mais il y a quand même une forme de confiance, certainement, dans le futur ici. Et cette confiance peut être à double tranchant, parfois vous faire dépenser trop d'argent et ne pas vous rendre compte que finalement, ces ressources, elles ne sont pas aussi illimitées que vous le croyez. Ou dans d'autres cas, comme je vous disais, ça peut être une forme de dépendance sur le plan matériel, qui fait que vous allez bénéficier d'aide sociale parce que vous êtes au chômage. Et donc là, bon, bah, c'est pareil, il faudra quand même profiter de cette période-là pour chercher à en sortir de toute façon. Alors, si Jupiter transite votre maison 3, là, il va être plutôt question d'étudier, d'enseigner. Alors, toujours dans ces domaines prioritairement, les soins, le paramédical, les langues étrangères reliées peut-être à la notion de voyage, d'international, à la créativité, des disciplines qui pourraient être liées à la mer aussi, hein, pourquoi pas, à la spiritualité.
mais avec un aspect un peu pratique sous forme de stage ou en tout cas avec cette idée qu'on met en pratique peut-être aussi son savoir. Jupiter, dans cette maison 3, va améliorer votre sociabilité, vous permettre de participer à des groupes. Ça peut être des groupes à vocation spirituelle ou créative. Vous allez aussi vous montrer en général plus compréhensif avec l'entourage, avec les autres. Vous avez envie de vous joindre aux autres, d'appartenir en fait à un groupe, hein. Vous pourriez aussi voyager dans les villes côtières, sur une île, faire un petit déplacement, un petit voyage en Corse, pourquoi pas. Alors, vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations où vous voyez tellement grand, vous êtes tellement confiant que finalement vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir, ou vous tombez sur des personnes qui vous ont fait des promesses qu'elles ne peuvent pas tenir. Donc attention, ça peut être aussi une position qui vous fait envisager de fusionner avec la fratrie. Il y a peut-être un projet commun là, avec la fratrie qui peut se mettre en place. Il peut être question de publier une œuvre d'inspiration. Ça peut être aussi bon pour tous ceux qui sont dans le commerce, particulièrement dans le commerce lié à tout ce qui est pharmaceutique, médical. Ça peut être aussi le fait de faire des études, hein, dans ces domaines médical. Ça peut aussi représenter une chance pour un membre de la fratrie. Ça peut être aussi un membre de la fratrie qui s'apprête à avoir un enfant, par exemple, hein. Ça peut être aussi le fait de voyager pour régler des affaires légales officielles avec la fratrie ou au sujet du voisinage, de l'environnement. Ça peut être même des études qui concernent l'environnement. C'est une bonne position aussi, comme le signe des poissons est lié à l'image, pour par exemple refaire le design de son site internet, par exemple. D'apprendre, en tout cas, vous aurez envie d'apprendre de nouvelles compétences ou de transmettre vos compétences autour de vous, de communiquer au niveau intellectuel sur ces sujets. Il y a plus de positivité globalement dans votre esprit, plus d'optimisme. Vous pouvez donner des conseils aux autres aussi. Attention à ne pas vous perdre dans trop de projets à la fois quand même, et peut-être aussi à tout ce qui est problème psychologique avec ce Jupiter en poisson en maison 3, mais ça peut être par contre une bonne position pour trouver un bon thérapeute si vous voulez régler des questions sur le plan psychologique. Alors, si Jupiter transite votre maison 4, alors là, il peut être question d'un déménagement dans un pays étranger. Ça peut être l'arrivée d'un enfant dans l'année, une grossesse ou une naissance dans la famille. Il peut être question, la maison 4 est liée à la famille, au foyer, donc de se reloger quelque part, d'acheter une maison, peut-être près de l'eau. Attention d'ailleurs à tout ce qui concerne les fuites d'eau ou les problèmes reliés à l'eau dans la maison, les inondations. Il peut être question de changer de région, de connexion plus grande à la famille. Peut-être que vous allez être plus en communication durant cette période avec votre famille ou parce que vous avez éventuellement peut-être des questions à régler avec cette famille. C'est aussi une plus grande connexion à son intériorité. La maison 4, c'est aussi l'intériorité. Donc, on pourrait être amené à développer une curiosité pour ses origines, ou pour la spiritualité, pour la psychologie. On peut régler des questions religieuses aussi au sein de la famille, s'il y a lieu d'être. On peut chercher à se ressourcer. On peut chercher à vivre en se reconnectant à la nature, par exemple, hein, aussi. Parfois, certains, avec cette position, peuvent avoir envie de rejoindre un collectif, de vivre en collectif, dans une forme de communauté. Alors, parfois, on peut aussi avoir des problèmes d'hospitalisation pour soi ou pour un parent. Voilà. On peut être amené à travailler dans une entreprise qui est liée à l'environnement, qui est éventuellement liée dans des services aussi qui sont liés à la fonction publique. Ça peut être aussi le fait de créer son cabinet de soins. Si vous êtes dans tout ce qui est médical, paramédical, psychologique, yoga, etc., ça peut être le fait de créer un lieu pour exercer cette activité.
ou alors aller peut-être exercer ailleurs, hein, sur une île, pourquoi pas, hein, ou plus dans un lieu qui est plus relié à la nature. Toutes les questions dépendance familiale peuvent être sur le devant de la scène ici. Hein, si vous êtes dans certaines dépendances familiales, peut-être que vous aurez envie de régler justement ces histoires de dépendance familiale. Mais c'est vrai qu'ici, on est quand même dans une histoire de famille unie. Hein. Ça peut être donc un moment où, au contraire, on va chercher, par exemple, à vivre sous le même toit que d'autres personnes de sa famille. On va amener la grand-mère dans la maison ou ce genre de choses. Ça peut être le fait d'accroître la famille aussi, accroître un lieu, redécorer un lieu, pourquoi pas, lui donner une autre image. Hein. Et puis, bon, un bon moment pour clarifier les histoires familiales, éventuellement pour vendre sa maison, et puis réfléchir de toute façon globalement à ce que l'on souhaite pour soi-même. Alors, si Jupiter transite votre maison 5, eh bien, l'idée ici, c'est de se faire plaisir en participant, par exemple, à des groupes de loisirs, en voyageant au bord de l'eau, sur une île ou sur des villes côtières. Peut-être que vous envisagez même d'investir, d'acheter peut-être un bien immobilier dans une maison secondaire dans ce genre de lieu. Vous pourriez gagner de l'argent par une activité de loisir aussi. C'est une période où il peut y avoir plus de générosité envers les enfants et plus d'envie de se connecter aux enfants, d'exercer des loisirs avec eux, peut-être de s'occuper d'eux, même dans votre travail, de travailler dans des groupes, des colonies, des centres aérés, des écoles, etc., dans des lieux où il y a des groupes d'enfants, finalement. Ça peut être une période aussi où vous allez, c'est une période, évidemment, je ne l'ai pas signalé, où vous pourriez tomber enceinte, hein, c'est une très bonne position pour un début de grossesse. Et une période aussi où vous pourriez avoir peut-être des enfants qui vont étudier à l'étranger ou qui s'apprêtent à démarrer des études dans le domaine médical, paramédical ou encore tous les domaines que j'ai cités, je ne vais pas les reciter à chaque fois. Ceux qui sont dans la créativité, hein, cette maison 5 est aussi reliée à la créativité, devraient pouvoir bénéficier de ce Jupiter en poisson parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de créativité ici, la capacité peut-être à trouver une audience pour le travail créatif que vous réalisez. Et puis sur le plan affectif, la maison 5 est aussi reliée aux amours. C'est la bonne position pour trouver un amour romantique, pour vivre un amour merveilleux avec une personne avec laquelle on se sent complètement relié à un niveau spirituel. Donc, attention évidemment aux illusions amoureuses, hein, puisque ça veut dire que vous avez peut-être aussi Neptune dans cette maison 5. Donc, amour merveilleux ou illusion, ça il faudra voir, il faudra trancher en fonction de l'expérience que vous allez en faire. Parfois, ça peut aussi nous parler d'amour à distance, peut-être avec une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit dans une autre région. Mais bon, il y a une envie de développer son cocon amoureux, il y a peut-être une recherche de fusion. Alors parfois, on a une fusion dans la vie amoureuse, on peut être en fusion avec ses enfants, on peut exercer des activités de coaching aussi. Alors attention à ne pas se sacrifier dans ce que vous êtes, puisque la maison 5 c'est aussi l'affirmation de soi, et là avec le signe des poissons parfois on pourrait un peu se sacrifier pour les enfants, se sacrifier dans les amours par exemple et s'oublier un peu, alors que Jupiter en maison 5 vous réclame que vous vous déployiez dans votre créativité, dans vos activités, que vous fassiez plaisir, que vous fassiez du bien. Donc, que vous vous montriez tel que vous êtes en faisant fi un petit peu de ce que les autres pensent. Si vous êtes célibataire, c'est une bonne période aussi pour peut-être rejoindre des groupes ou pour faire des rencontres par les réseaux sociaux. Alors, attention avec Jupiter en maison 5 à tout ce qui va toucher aux dépendances, aux drogues, à l'alcool, aux jeux, etc. Il peut y avoir plus de dépendances dans ces domaines-là, surtout si vous êtes sujet à ces dépendances déjà.
Alors, si Jupiter transite dans votre maison 6, eh bien là, on peut se retrouver dans cette maison 6 qui concerne la vie professionnelle, le quotidien, qui concerne le labeur, qui concerne aussi la santé. Soit bon, bah, vous travaillez dans un domaine de santé et bon, Jupiter est bien positionné pour ça, ou vous étudiez dans ce domaine-là. Donc, il peut y avoir une expansion ou même dans tout ce qui est spirituel, coaching, dans toutes les activités telles que la psychologie, etc. Là, vous pouvez avoir une expansion. Voilà. Et puis, même si vous travaillez dans les pharmacies, les laboratoires, vous pouvez aussi prendre davantage soin de votre santé. Pour certains qui sont déjà malades, Jupiter en maison 6 peut aider à une forme de guérison. Pour d'autres, ça peut être on prend plus de rendez-vous médicaux pour régler des questions de santé. On peut participer davantage à des groupes dans sa vie professionnelle, faire intégrer une nouvelle équipe. Avec peut-être une notion un peu d'évolution dans le travail. On peut rechercher une vocation sur le plan professionnel, même en trouver une. On peut enseigner aussi hein, dans cette maison 6, notamment dans les domaines de l'image, des soins. Voilà. C'est aussi une bonne position pour le travail avec l'étranger, par exemple, s'il y a la notion d'étranger ou de travail avec l'étranger. Ou avec les étrangers, ou le travail dans tout ce qui est formation paramédicale, par exemple, dans le domaine social aussi, avec toute cette notion d'aide ou d'entraide, le domaine du service aussi qui peut bénéficier de cette position-là. Vous pouvez aussi faire des stages, par exemple, vous avez déjà fait des études et là, vous êtes dans des périodes de stage. Il peut y avoir une amélioration aussi concernant la santé et son hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on va y prêter plus attention, peut-être parce que dans certains cas, on va rencontrer des problèmes de santé qui vont nous y obliger. Et puis, ça peut être le fait aussi, par exemple, d'engager des personnes à son service. Alors, si vous avez votre entreprise, vous allez peut-être pouvoir embaucher des gens ou alors vous allez embaucher des personnes à la maison. Ça peut être des nounous, des personnes qui vont venir rendre des services, en fait, dans la maison. Alors, si Jupiter transite dans votre maison 7, eh bien, là, c'est encore la possibilité ben, pour certains de se marier, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être envisager de vous marier. Il peut y avoir une grande fusion là aussi au niveau relationnel avec certaines personnes et dans le couple aussi. Donc, ça peut être l'officialisation d'une relation qui pour l'instant n'était pas encore complètement officielle ou la rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez être en pleine fusion et qui va prendre de la bouteille. Alors, on peut s'engager de différentes manières. On peut décider de vivre ensemble. On peut décider d'officialiser par un mariage. On peut voilà, officialiser de différentes manières dans le couple. Mais dans certains cas, Jupiter en poisson, ben, surtout s'il y a eu des problèmes de confiance dans la relation, peut aussi amener une séparation. C'est-à-dire qu'on va passer par le biais juridique, on va aller trouver un avocat ou voilà pour régler en fait des questions. Alors c'est vrai que Jupiter en 7 peut amener parfois des questions juridiques à régler, que ce soit dans le couple à travers un divorce ou au contraire à travers un pax ou un mariage. Hein. Ça va dépendre encore une fois de votre thème et puis de votre situation au moment où Jupiter entre. Parfois, ça peut être les deux. On commence par divorcer, puis ensuite on se marie. N'oubliez pas que Jupiter va faire plusieurs passages hein, dans votre maison 7. Donc, sur les un an et demi à venir, un an et demi, deux ans à venir, il peut se passer plusieurs de ces événements-là. C'est une bonne position aussi pour les négociations, pour les partenariats, les collaborations. Alors, c'est toujours pareil. On peut à la fois se défaire de certaines collaborations, de certains partenariats pour se joindre à d'autres collaborations et d'autres partenariats. Ça peut être des projets de voyage aussi pour le couple, par exemple. Ça peut être aussi une amélioration, non pas pour vous, mais dans la vie professionnelle, par exemple, de votre conjoint ou votre conjoint qui peut être amené à partir en voyage pour son travail, par exemple. C'est une période où vous pouvez régler des questions aussi concernant un lieu de vie. Alors, particulièrement
Enfin, dans les deux cas, que ce soit avec un partenaire avec qui vous officialisez, donc éventuellement l'envie de vivre avec quelqu'un, et alors je dis partenariat, ça peut être dans le couple, mais ça peut être avec un frère, une sœur, avec quelqu'un avec qui quelqu'un de la famille avec qui vous avez peut-être un projet au sujet du foyer éventuellement, ou alors si vous êtes dans une période de séparation, bien, on va régler toutes les histoires familiales et toutes les questions de séparation de biens au niveau juridique. Pareil dans les collaborations et les partenariats. C'est une période où on peut être amené à signer des contrats. C'est une période aussi où on peut gagner de l'argent pardon, à travers des relations ou des collaborations. Par exemple, un partenaire avec qui vous démarrez une relation qui bénéficie d'une bonne position sociale. Alors, ça peut être aussi des nouvelles relations qui entrent dans votre vie, hein, peut-être avec des personnes d'origine étrangère ou de différentes cultures, où il y a une différence d'âge, où il y a une différence éventuellement à gérer, des questions éventuellement taboues peut-être à gérer. C'est aussi une position où vous pourriez rechercher un conseiller. Donc, ce n'est pas seulement sur le plan juridique, mais vous allez rechercher un conseiller pour régler certaines affaires familiales, personnelles, un avocat, un coach ou autre. Hein. Particulièrement pour régler quand même les affaires qui concernent la famille ou le foyer. Attention aux dépendances affectives pendant ce transit de Jupiter dans votre maison 7. Il peut y avoir aussi des affaires médicales à régler pour un membre de la famille durant ce transit. Alors, si Jupiter transite dans votre maison 8, alors là, dans votre maison 8, c'est l'idée, alors pour certains, ça peut être l'idée d'une transformation dans le couple à travers une grossesse. Donc là aussi, il peut être question d'une grossesse pour certains ou d'un partenaire qui s'apprête à avoir un enfant. Ça peut être l'idée de régler des questions d'argent qui proviennent d'une séparation, d'un héritage dans certains cas, ou même de régler des questions d'argent alors avec les impôts ou avec les services sociaux. Si vous êtes en train de faire des demandes pour le chômage ou pour des aides sociales, bon, ben, Jupiter va vous aider dans ce sens. Vous pourriez développer un intérêt plus important pour les questions mystérieuses, spirituelles, psychologiques, ou même être amené à suivre une psychothérapie qui vous fera énormément de bien. C'est une position qui peut vous remettre en question, qui peut vous amener à chercher à rééquilibrer vos relations entre ce que vous donnez et ce que vous recevez aussi. Sur le plan de la sexualité, il peut y avoir une sexualité un peu mélangée à de la spiritualité, sexualité tantrique ou autre, hein, mélange de sexualité et de spiritualité. Il peut être question aussi parfois de changements importants dans une relation amoureuse, peut-être de secrets. Alors évidemment, Jupiter, Neptune dans la 8, attention à toutes les questions d'infidélité, de secrets sur le plan amoureux. Il peut y avoir des transformations importantes dans les relations. Alors soit ben, qu'elles sont en train de se défaire, soit dans certains cas qu'il s'agisse de passer un cap en fait dans la relation. Mais en tout cas, ce sont des relations qui vous amènent à vous transformer vous-même sur le plan psychologique aussi. Hein. Ça peut être une période qui peut vous amener à passer par des crises et des doutes, même si vous êtes dans la fin d'une relation ou d'une collaboration, parce que ce n'est pas seulement les relations amoureuses. Ici, vous pouvez au final vous attendre à recevoir quelque chose en termes d'énergie ou d'argent sur le plan matériel suite à cette fin-là. Il y a l'idée, c'est une bonne position aussi pour les prêts immobiliers par exemple, mais là pareil, attention à ne pas surestimer les emprunts, à ne pas emprunter plus que vous ne pouvez rembourser. Et puis sur le plan de la sexualité, j'ai oublié de vous dire aussi, attention à tout ce qui peut concerner les maladies sexuellement transmissibles. Alors, si Jupiter transite votre maison 9, eh bien, il peut être question de mutation dans le travail, d'apprendre, de vous former à quelque chose de neuf
pour améliorer votre vie professionnelle. Donc, il peut être question d'accéder à des études supérieures, d'aller étudier éventuellement à l'étranger. Alors, il peut y avoir parfois des doutes hein, aussi qui sont générés par cette position, puisqu'on a aussi Neptune. Il y a peut-être question de revoir en fait ces engagements au niveau des études, de réfléchir à votre vocation. Il peut être question de régler des affaires légales, officielles par rapport au travail, de rechercher plus de sens à la fois dans votre vie professionnelle, dans vos études, et puis globalement dans le sens de votre vie. Il y a cette envie en fait de retrouver du sens ici, de vous informer, de mieux vous informer. On peut suivre des études supérieures dans les domaines médical, toujours pareil, spirituel, voilà, dans n'importe quel domaine créatif, dans n'importe quel domaine en fait qui va élever votre esprit. La philosophie éventuellement. Vous pouvez aussi vous-même chercher à créer une formation dans ces domaines-là. Vous pouvez devenir formateur. Pour d'autres, ça va être la recherche d'un éditeur. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'éviter la stagnation, de trop s'enliser, d'essayer de trouver du sens, de vous sentir utile dans ce que vous faites. Vous allez en avoir besoin, sinon vous risquez d'être dans une certaine confusion. Il y a l'idée de, alors pour certains, ça va être aussi des déménagements, changer de région, changer de pays, aller vivre ailleurs, laisser le passé derrière soi et donc éviter de stagner, se lancer dans une forme de nouvelle aventure géographique aussi, hein. Puis pour d'autres, on va travailler dans l'import-export peut-être, partager ses connaissances, transmettre, etc. Si Jupiter transite dans votre maison 10, donc là, Jupiter va avantager votre carrière, de nouveaux contrats, de nouvelles relations professionnelles. Alors comme c'est aussi la maison qui correspond au statut social, on peut trouver des personnes qui s'engagent, qui se marient aussi hein, ou qui se paxent ici. On peut accéder à un nouveau statut social, à une élévation dans sa vie sociale. Alors, parfois, c'est un peu comme dans la 7, il peut y avoir aussi un changement dans le sens on était marié, on divorce, ou on avait un travail et on le perd. Et donc, on va devoir en retrouver un. Alors, comme Jupiter est quand même dans votre maison 10, il peut vous aider à trouver ensuite un emploi hein, et à améliorer votre carrière, puisque Jupiter reste un certain temps dans cette maison 10. Ça peut être aussi le fait de quitter soi-même, de prendre la décision de quitter une position sociale pour l'améliorer, de quitter un travail, une carrière pour prendre une autre direction aussi dans laquelle vous vous sentez appelé. Il peut y avoir aussi un tiraillement entre le travail, la carrière et la vie relationnelle et amoureuse. Peut-être que vous allez avoir plus d'engagement ou de responsabilité dans votre travail et donc que vous allez moins vous intéresser à votre vie amoureuse ou la délaisser un petit peu. Et il peut y avoir du coup quelques problèmes à ce niveau-là. C'est une position qui peut permettre aussi bien d'avoir une meilleure réputation dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, d'avoir vraiment une position presque médiatique en vue, en tout cas une assez bonne position dans votre profession, comme parfois ça peut être aussi des ragots, un scandale, je ne sais quoi, qui éclate et qui vous fait perdre cette réputation. Donc attention. Il s'agit aussi de travailler peut-être pour certains avec plus de monde, avec dans des lieux collectifs, d'avoir plus confiance en soi, de retrouver la foi dans son travail et dans les possibilités de carrière aussi. Vous pouvez recevoir des récompenses ou des promotions dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir de nouveaux projets professionnels qui arrivent, éventuellement qui sont liés à l'étranger. Vous pouvez avoir des meilleures relations aussi avec votre hiérarchie. Là aussi, vous pouvez tout à fait travailler dans un domaine qui est lié à la formation, à l'enseignement. Où vous pouvez aussi être à cheval sur deux lieux au niveau professionnel, peut-être avoir à voyager pour votre travail plus souvent. Donc attention, si vous essayez d'accéder à une meilleure place au niveau professionnel, là c'est pareil, à ne pas surestimer vos possibilités. Alors, si Jupiter transite votre maison 11, eh bien Jupiter va bénéficier
cette fois-ci au gain qui provient de la clientèle, particulièrement si vous êtes dans une profession indépendante. Donc, il peut y avoir une amélioration de la clientèle. Vous allez aussi retrouver goût pour faire des buts sur le long terme. Vous allez éventuellement pouvoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient et avec profit. Donc, Internet, tous les réseaux sociaux vraiment sont des outils à utiliser si c'est valable dans votre profession pour améliorer finalement la communication et votre visibilité. C'est une position qui peut vous permettre de restaurer une vie sociale et donc de retrouver, peut-être de travailler en groupe, d'appartenir à des groupes, de faire jouer des réseaux, de vous investir dans des associations, de travailler dans un réseau associatif par exemple. Ça peut être vous qui avez besoin d'aide et qui allez taper aux portes des associations, mais de toute façon Jupiter en maison 11, c'est vraiment son lieu de réjouissance, et donc c'est aussi une position où on va vraiment tirer profit des rencontres, où ça peut être des amis qui viennent nous porter main forte, ou ça peut être des groupes de personnes, des associations, ou une personne en particulier jupitérienne qui va venir vous aider et qui va de toute façon vous permettre de réaliser certains de vos objectifs. Donc là, si vous avez besoin d'un mécène, si vous avez besoin d'une aide quelconque cette année, eh bien, n'hésitez pas à la demander parce que Jupiter en 11 va vous aider à trouver des personnes qui vous aident de toute façon. Et puis, à contrario, c'est vous qui pouvez aider en faisant, en pratiquant du bénévolat, en intervenant dans des associations, en vous occupant de milieux sociaux défavorisés, etc. Voilà, donc ça peut être aussi le fait de participer à des groupes de travail, à collaborer à grande échelle ou à collaborer avec des groupes au niveau de la spiritualité, de la créativité, encore une fois. Il peut y avoir l'idée aussi d'investir peut-être dans une société. C'est encore une bonne position pour trouver des thérapeutes. Donc ici, voilà, c'est principalement ces aspects-là qui vont être importants. Ça peut être aussi le fait de recevoir une aide de l'État, par exemple, hein, sur le plan social. Mais si vous avez une chaîne YouTube, ben, vous allez profiter amplement de ce Jupiter en maison 11, par exemple, ou si vous avez un compte Instagram, donc, n'hésitez pas à vous y investir. Alors, si Jupiter, pour terminer, transite dans votre maison 12, eh bien, là, il va avoir une action protectrice. Si déjà, si vous avez, vous rencontrez des ennuis de santé, si vous rencontrez des ennuis quelconques, Jupiter en maison 12 peut adoucir les ennuis, les épreuves que vous allez rencontrer. C'est aussi une position qui peut vous amener à, alors là, pour le coup, à développer véritablement votre spiritualité, à chercher à faire des retraites. Pour certains, ça peut être le yoga, la méditation, enfin, ça peut être toutes sortes de domaines. C'est aussi une position qui peut vous amener à fréquenter les hôpitaux pour vous soigner, hein, c'est possible aussi. Ça peut représenter la fin, là aussi, de quelque chose, avant un renouveau quand Jupiter entrera finalement dans votre maison 1, donc en 2022, il fera une incursion certainement. Donc, vous pouvez être en train de préparer en quelque chose en coulisses, ça peut être une période de gestation pour quelque chose qui va être amené à naître réellement en 2022, voire en 2023, hein, parce que ça dépendra de si vous êtes touché là, dans ces premiers degrés, ou si vous l'êtes plus quand Jupiter va rentrer plus précisément dans le poisson. Mais bon, voilà, globalement, il y a quelque chose qui est en train de couver, qui peut être en gestation et qui arrivera en 2022 ou en 2023 pour vous. Mais ça ne vous empêche pas de travailler en coulisses, de régler peut-être, il y a peut-être des affaires juridiques aussi à régler, de réfléchir à un nouveau départ, éventuellement dans un autre lieu, mais d'attendre 2022 ou dans certains cas 2023 pour se lancer. Parfois, ça peut être aussi un beau-parent qui rencontre des épreuves de santé. Ça peut être aussi l'idée de guérir à un niveau inconscient, donc d'aller voir des thérapeutes ou de bénéficier de certains soins qui peuvent vous permettre de régler des questions
des schémas répétitifs, des questions qui étaient inconscientes, faire une espèce de nettoyage par rapport au passé. Il peut être question aussi de changer de point de vue par rapport à des points de vue justement qui vous limitaient, qui vous enfermaient, de réévaluer votre système de pensée. Pour certains, Jupiter dans cette maison 12 peut vous amener aussi à partir en exil, c'est-à-dire à partir vraiment loin, aller vous installer dans un pays étranger, assez loin de chez vous pour le coup, hein. Pour d'autres, il peut y avoir, je vous parlais de travailler en coulisses, ça peut être des activités créatives, vous préparez un projet créatif qui ne verra le jour qu'en 2022 ou en 2023, ou alors pour d'autres, ça va être par exemple un travail d'écriture, ça peut être une thèse, ça peut être des études, quelque chose qui prend du temps, qui vous demande d'être en retrait et sur quoi vous allez passer du temps dans les mois à venir. C'est une position qui va vous permettre aussi de développer davantage votre empathie et donc qui peut là aussi vous amener à travailler dans des activités bénévoles qui vous donnent en général envie de tendre la main aux autres, de les aider. Vous pouvez aussi être inspiré par les autres ou vous-même être une inspiration pour les autres. Vous pouvez aussi vous mettre en retrait pour reconstruire votre foi, retrouver une forme de confiance que vous avez perdue ou que vous allez perdre et qu'il s'agit de reconstruire, donc pour reconstruire sa confiance aussi. Ça vous servira bien sûr quand Jupiter passera votre ascendant. Et puis, attention par contre à tout ce qui est manque de réalisme, le côté un peu rêveur, de faire des plans sur la comète. Mais c'est une bonne période en tout cas pour réfléchir au sens de votre vie, pour étudier quelque chose, pour s'isoler sur une île, pourquoi pas, hein. Donc voilà pour tous ces aspects concernant Jupiter selon les maisons dans lesquelles vous allez recevoir ce transit. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, mais à un moment donné, si on veut donner de l'information, on n'a pas le choix. Donc, j'espère que vous pourrez noter en dessous les time codes pour Jupiter en 1, en 2, comme ça les autres pourront cliquer directement dessus. Je vous souhaite un excellent mois de mai. J'ai l'occasion de vous retrouver à travers tout un tas de vidéos. Il y a les vidéos concernant l'art et l'astrologie que je continue. Donc, il y en a une qui va sortir là, que j'ai réalisée avec un photographe et peintre, Jean-Louis Okagos, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour les nouvelles et les pleines lunes. Et certainement, sur une petite vidéo pour le Mercure rétrograde en Gémeaux, si j'ai le temps, je ferai ça aussi. Donc, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Merci à tous de me suivre et de m'envoyer vos messages si sympathiques toujours. Je vous remercie. Merci du fond du cœur. À bientôt, au revoir.